gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Noël. Alors déjà avant de commencer, est-ce que vous ça va comment ça va? Vous allez bien? Moi ça va, mais j'ai beaucoup de travail. Hein. Là aujourd'hui donc ça va être une vidéo, pour m'organiser. Ça va être une vidéo où je vais vous montrer comment réaliser des menus, des marque-places, vraiment. Vous avez maintenant les enfants en action. Des bougies comme ça. Et là, donc vous voyez, je vais en découper une. Je me dépêche comme ça, je vous montre. C'est pour que ça soit pas très long parce que une fois que je commence à parler, on n'arrête plus. Et ça fait une décoration assez sympa parce que au final, c'est que du papier. Mais vous voyez, pour faire une table festive et pas avec beaucoup de dépenses, vous avez imprimé des papiers. Découper et avec des bougies, ce serait que les bougies au pire à acheter si vous n'en avez pas. Vous collez ici, voilà. Et là, quand vous allumez votre bougie, vous n'avez pas de risque que ça prenne feu puisque c'est une fosse. Des lampions, donc pareil, hein, il faut découper. Donc je termine avec tout ce qui est décoration de la table. Donc là, c'est des petits marque-places, c'est pas très joli. Donc je me suis mis des petits noms, c'est le bazar dans ma tête. Alors les menus, et c'est moi qui ai fait cette écriture avec un petit dessin sur chaque. Et vous faites votre écriture bien sûr. Ou alors vous écrivez directement l'entrée, le plat, le dessert directement dessus. Alors, je vous montre, c'est comme ça, écrit Joyeux Noël. Et là, c'est le même système, mis à part qu'il n'y a même pas besoin de colle, puisque il y avait le Joyeux Noël, Bon Appétit aussi, il y a, et c'est tout. Joyeux Noël et Bon Appétit. Vous aurez du pliage aussi et du découpage à faire. Hein. Donc, les photos fortes, je vous ai montré. Après, donc parce que j'ai mis du temps, je vous ai parlé. Donc, ils vont faire du yoga, du sport. Donc, je vais vous mettre ça aussi. Pour rester, ça sera la décoration bleue. Bleu, blanc, ou alors sinon il y a à l'anglaise, vous voyez, et là donc on est sur du rouge, du noir. Montrer le lampion, une bougie LED, que le papier, sinon ça va flamber. Plier les bords, parce que ça va être le bord où on va le coller. Alors eux ils disent avec du double face, mais j'en ai pas. Dehors c'est la tempête, hein. Je ne sais pas si vous entendez la caméra, mais c'est la tempête dehors. Je vous montre comme ça. Donc là, j'ai refait. Alors, vous pouvez les utiliser en photo fort, ceux-là, mais normalement, c'est pour mettre les serviettes. Donc là, j'ai fait une petite table, mais vite fait. Attendez, je vous montre de plus loin. Voilà. Donc là, c'est les lanternes. Là, ça, c'est pareil. Soit vous faites comme moi, donc vous mettez des petites bougies. Ou alors, vous pouvez les utiliser pour les serviettes, vous voyez. Normalement, c'est les petits. Le menu, j'ai repassé en... Voilà, je vous ai mis une petite table, là, pour donner une petite... Et là, j'ai rajouté ça. Mais vous voyez, avec pas grand-chose, ça ressemble pas, hein, cette petite déco, là. Vous avez fait une petite mise en scène de table, mais après, vous pouvez peut-être décliner les constructions, parce que ça, si vous voulez pas le mettre sur la serviette, vous pouvez le mettre sur le verre, ou alors vous collez ici les deux petits embouts et vous mettez une bougie dedans. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez, si vous préférez le bleu comme moi, ou si vous allez réaliser avec le rouge et le noir que je... Alors, je cherchais les lutins, je les trouvais pas, et là, regardez, c'est bataille de boules de neige, ou comment ça se passe? Ils sont faits des copains, et là... Alors, j'ai pas compté les points, je sais pas qui c'est qui a gagné. Et ben, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.